Hello. Bueno. No. I don't actually know if I'm going to do the intro in English or French. I've actually done like two masks my whole life, so this will do. Bonjour. Comment allez-vous, les amis? This is like a soap and glory mask that I've never actually tried before, so I thought, you know what, I'll open the video like this. I gotta use this stuff, so you know what I mean. So as you can tell from the title of the video, je vais parler en français. I know that a lot of you know that I speak English and French, and a lot of people commented like, oh my god, you speak both, how? So today is gonna be a video of me speaking French, and make sure to put the subtitles on. I don't know if it's this side or that side. On the screen, you'll have like the three little dots. Press that, press English. Is it English subtitles or French subtitles? I'm speaking English. Now I'm going to speak French. So you need English subtitles. So yeah, English subtitles will be up there for you guys. Make sure to keep on watching. Je vais juste parler français, même s'il y a beaucoup d'anglais qui ne comprennent pas, mais je me suis dit une petite vidéo qui vont faire plaisir aux Français. Et voilà, les Anglais peuvent regarder s'ils veulent. Et du coup, je vais répondre à quelques questions, des questions, genre 20 faits sur moi, je pense que ça va être ça. Juste pour, voilà, pour parler et pour que vous me connaissiez un petit peu plus. Why? Ça tire de partout, c'est un truc de ouf. Je vais commencer cette vidéo à dire que je suis née en France, du coup le français c'est ma première langue. Et j'ai déménagé en Angleterre quand j'avais 10 ans. J'ai appris l'anglais super vite, super bien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent genre comment tu peux parler si bien en anglais et si bien en français, mais voilà, c'est juste parce que j'ai juste habité 10 ans en France et maintenant 10 ans en Angleterre. Je me suis dit je vais faire un petit truc simple, répondre à des questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de français, surtout des amis à moi qui me connaissaient quand j'étais petite et bien sûr j'ai changé du coup. C'est une petite. Du coup, je vais commencer par la question numéro 1. Est-ce que j'ai des animaux? Non. J'avais trois cochons d'Inde. Et je kiffe les cochons d'Inde, genre vraiment. Je dirais cochon d'Inde et après un chat. Et après un chien. Je préfère les chats que les chiens. Les chiens, tu dois aller les marcher et tout, genre c'est chiant. J'aime pas ça. Et je déteste aller dehors parce que j'ai tout le temps froid, du coup. Les chats, c'est mieux. Est-ce que j'ai confiance en moi? Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait. C'est bizarre, moi je pense que j'avais vraiment pas confiance en moi du tout, genre zéro, quand j'étais petite. Et genre je savais que j'avais pas confiance en moi à l'école et tout, genre je stressais, genre j'étais pas bien du tout. Quand j'ai déménagé en Angleterre, les profs ils étaient hyper gentils. Et je pense que ça m'a juste aidée à avoir confiance en moi. Par exemple, genre les uniformes et tout. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé de pas avoir des habits à choisir tous les matins. C'était moins stressant. Et ouais, l'école là-bas, c'est super. Genre, je pense que je préfère l'école là-bas qu'en France. Et voilà, l'expérience c'était juste super cool et ouais, ça m'a juste grave aidée. Je sais pas comment dire. Je suis plutôt dans mon coin, beaucoup de fois. Enfin, beaucoup. Ouais, ça me. Je préfère être toute seule. Bref, j'ai pas beaucoup confiance en moi, mais je pense que j'ai vraiment grave amélioré depuis que je suis petite. Ça dépend sur quoi en fait. Parce que sur les réseaux. J'ai un petit peu confiance en moi, je dirais. Mais pas genre 100%. Vous verrez de toute façon, allez voir mon Insta. Dites-moi dans les commentaires. À mon avis, que pensent les gens à propos de moi la première fois? Je pense qu'ils pensent que j'ai beaucoup de confiance en moi. Et je pense que je suis vraiment pas comme ça. Je pense que les gens pensent que je suis un petit peu hautaine. Mais je suis pas comme ça! Je suis vraiment pas comme ça! Je suis genre calme! Je juge pas, je suis pas une personne à juger, genre je suis la dernière personne à juger quelqu'un. Genre, moi je pense que je suis gentille à tout le monde, j'espère. Quels sont mes loisirs? Bah en fait j'en ai pas. Mais avant je faisais beaucoup de danse classique, du jazz, du moderne, surtout en France. Et après, quand j'ai déménagé en Angleterre, bah j'ai arrêté pendant 3 ans. Et puis après, juste parce que je savais pas parler en anglais et j'avais justement pas confiance en moi.
Et après, je me suis décidée de me remettre à la danse. Du coup, après, j'ai fait de la gym aussi. J'ai fait de la gym en France. Après, j'ai fait de la gym en Angleterre. Je suis pas du tout... Comment c'est quoi le mot? Je suis pas du tout souple. Et j'ai kiffé parce que je kiffe la gymnastique rythmique. Pas artistique parce que moi j'ai pas de muscles. Et sinon j'aime bien lire. J'aime bien faire du sport à la maison. Et sinon c'est tout. Regarder Netflix. Ça c'est ma life. Du coup voilà. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? En fait, je vous explique. Moi j'aime pas quand les gens mentent. Ça veut dire qu'ils sont fake, ils sont pas vrais, ils sont pas bien dans leur peau. J'ai l'impression que si les gens mentent, même des petits trucs, genre, ça sert à quoi de mentir? Genre, c'est pas honnête. Est-ce que je suis plutôt soirée entre amis ou boîte? Le truc que je trouve beaucoup en Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de meufs qui kiffent d'aller en boîte. Et c'est ça que j'ai vécu ici, et du coup, je connais que ça en fait. Du coup, à chaque fois que je sors, bah, je sors avec mes amis en boîte. Et je pense qu'en France, c'est beaucoup plus, genre, ça peut l'être, beaucoup plus chill, juste d'être entre potes, tu vois. Et ça me manque beaucoup parce qu'en fait, je pense que je préfère ça. Est-ce que j'aime l'alcool? Non. En fait, non, je déteste l'alcool. Je m'y habitue quand même, genre, le vin blanc, sinon vodka, limonade. En général, non, je préfère pas boire d'alcool, en fait. J'adore le jus de pomme et le jus d'orange. Qu'est-ce que je bois quand je mange? Que de l'eau, en fait, parce que j'aime pas les boissons pétillantes. Et voilà, c'est de l'eau. Quel est mon plat préféré? Lasagne, pizza, carbonara. Je peux pas en choisir un. Combien de langues est-ce que je peux parler? Deux, je peux juste parler anglais et français. Mais j'aimerais bien parler espagnol ou l'italien parce que Lucien il peut parler italien genre couramment et ça c'est trop cool. Que portes-tu pour dormir? Je dors dans un t-shirt. Et je déteste les shorts en fait, du coup je mets pas de shorts. Genre ça tire vers le haut. Es-tu déjà tombée amoureuse? Donc oui, je pense. Je peux pas comparer à des autres parce que c'est mon premier. Est-ce que je suis patiente? Oh, ça dépend. Avec les gens? Oui. Avec moi-même? Ou genre si je dessine ou un truc comme ça? Je suis pas patiente du tout, j'aime pas ça. Mais en général, je pense que oui, je suis patiente. Est-ce que je veux me marier? Mariage? Oui. Je kiffe. Pourquoi les gens se marient pas? Pourquoi? C'est genre une grande occasion. C'est genre... une fête, c'est trop bien. Voilà. Est-ce que j'avais un amoureux en école primaire? Je rigole parce que oui, j'en avais un. Je pense qu'on était genre les deux seuls à être ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de couples en école primaire, je pense qu'on était genre un des premiers couples. Ça c'était cool. Est-ce que c'était officiel? Je sais même pas en fait. J'étais tellement jeune, je savais rien. Ouais, c'est marrant. Quelle est ma couleur préférée? Moi je kiffe mettre du noir. Noir c'est... oh, c'est trop beau. Voilà. Mais ouais, rouge. En fait, ouais, j'aime bien le rouge. Est-ce que quelqu'un te manque? Mes sœurs en France. Surtout que ma grande sœur, elle vient d'avoir un deuxième enfant. Du coup, ouais, j'ai un neveu qui vient de naître. Et bah, c'est triste parce que je peux même pas le voir. Mais du coup, ouais, bah Lucien, il me manque aussi. Je vais pas le voir pendant longtemps. Du coup, c'est un petit peu dur. Très dur même. Quel est mon plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Moi je dirais que c'est, je pleure tellement facilement, genre, soyez gentil avec moi. Sur les réseaux et tout, je m'en fous, mais vraiment face à face. Par exemple avec les personnes ou les gens, je peux pas être honnête avec mes sentiments, genre je peux pas. Si je sais que quelqu'un m'a fait du mal et tout, je peux pas en parler avec cette personne parce que je sais que je vais pleurer et j'ai pas envie de pleurer devant quelqu'un. Du coup bah je parle pas, et je pense que c'est encore pire parce qu'après, je me sens... encore pire. Ça marche pas du tout, mais voilà. En termes de charme sur 10, quelle note te donnerais-tu? Lol. Je dirais genre 5. Après, ça dépend, tu vois. Les gens peuvent dire que je suis plus, les gens peuvent dire que je suis moins. Est-ce que je suis charmante? Ça dépend des situations, ça dépend de la personne. Tiens, on va demander à Lucien. Lucien a répondu, il a dit oui, normal. Qui t'a dit ça? Il me fait trop rire. Bah, apparemment, lui, il pense que je suis charmante. Mon parfum préféré, je vous le montre parce que sinon, Paco Rabanne, et c'est genre, j'ai eu des centaines de compliments sur ce parfum. Je vais quelque part et il y a des gens qui me disent genre, tu sens trop bon, qu'est-ce que c'est et tout. Tout le monde me disait comment ça sentait super bon. Oh my god, c'est juste, ça sent super bon, voilà. C'est mon parfum préféré.
Est-ce que je suis plutôt été ou hiver? L'été, 100%. Juste l'été, le soleil, avoir un bronzage. C'est juste trop beau. C'est juste trop trop beau. Et en Angleterre, genre, je suis vraiment... C'est juste nul. Quel est mon chiffre favori? Le numéro 9. Je suis née le 29 octobre. Je pense que le 9, c'est vraiment un chiffre. Genre, je sais pas si vous pensez comme moi. Peut-être pas. Sûrement pas. Mais en fait, le numéro 9, je me dis... Est-ce que c'est féminin ou masculin? Enfin, des fois, je me dis... Genre, le numéro 1, pour moi, c'est masculin. Le numéro 2, c'est masculin. 3, c'est masculin. 4, c'est féminin. 5, c'est masculin. 6, c'est masculin. 7, c'est féminin. 8, c'est masculin. 9, c'est genre masculin. Le plus masculin des chiffres que tu peux avoir, je pense. Le 9, genre... Le 9, c'est... Encore le truc le plus dingue, c'est que Lucien, il est né le 9 janvier. Genre le 9. Du coup, je kiffe ce numéro. Comment je suis habillée aujourd'hui? En fait, il fait genre froid en Angleterre. Il fait 10 degrés. Donc c'est cool. Mais voilà, mais vu que je suis à la maison, j'ai mis ça. Des petites lignes comme ça. Et voilà. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Aimez, likez, partagez. Sur ce, on se dit à plus tard. Du coup, voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé.